Les gars, arrêtez d'agir comme les femelles. C'est plus le moment. Une go qui roule pas, toi, elle dégage. Il n'y a pas de technique pour arrêter la relation. Ouais, petit go, c'est comment? Je suis fatigué, ça va, et toi? Ouais, ça va. On dit quoi? On dirait on est là. Viens nous donner un conseil. Je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut m'expliquer la partie où tu n'es pas d'accord. D'abord, quand tu dis que ouais, la femme, quand un homme est soumis à la femme, c'est là, en gros, qu'elle n'a plus envie, en gros, elle n'a plus envie du mec. C'est faux. Mais une fois qu'un homme se soumet à toi, tu commences à ne plus le vouloir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi une femme est trompe? Quand tu dis la femme est trompe par rapport à ça, là, je suis pas d'accord avec toi. C'est pourquoi la femme va tromper? C'est à quel moment la femme va tromper? Ashley, on va demander. La nuit, si pas pour parler à vous quand 6 heures. Tu sais à quel moment la femme va te tromper? La femme te trompe à quel point? Elle te trompe au moment où elle n'a plus d'attention, ni d'affection. Elle ne ressent plus l'amour que tu avais au début. Elle ne ressent plus le truc que tu avais au début. C'est forcé. Okay. C'est comme ça qu'elle va te tromper. Tu as fini de m'expliquer. Après, tu as raison. Quand tu dis que ouais, quand un homme il est trop en mode soumise vers la femme, elle lui montre des foutaises. Et ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Quand un homme, il est trop genre en mode... il est trop... ouais, bébé, est-ce que... Ouais, bébé... Nous les femmes, il faut qu'on soit réaliste. On aime les hommes, genre les bad boys là. On les aime. Ah, mon qu'est-ce On les aime. Surtout les sorties. Mais c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Je suis une fille. Vas-y. Un gars qui est toujours en mode ouais, est-ce que t'as fait ci, ouais, est-ce que t'as fait ça. On n'aime pas. On aime lui. C'est nous-mêmes, on le cherche à l'étage comme ça pour lui parler. Hein. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Donc, en gros, t'as raison. Les hommes qu'elles ont à poursuivre. On a quatre dans le tirage. Voilà, t'as raison sur ce point-là. Oh. Mais côté tromperie, là, par exemple, faut doser. Ah. Non, ma chérie, je suis pas d'accord avec chérie toi. Chérie Coco, écoute ce que tu donnes comme point. Tu sais, il y a un petit truc qui est là. Un homme, quand il commence à négliger sa femme, négliger même, c'est-à-dire plus d'attention, il commence à la prendre pour acquis, lui-même, il se met plus beau, il prend plus soin d'elle, elle va s'en aller. Et ça, c'est dans les deux cas. Aussi, quand la femme commence à négliger l'homme aussi, il va s'en aller. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que la femme n'aime pas un trop plein d'attention. Ouais, moitié-moitié, ça c'est vrai. Un trop plein d'attention, la femme n'aime pas. Vérité, le gothi. Ça c'est vrai. Et dans la plupart du temps, regarde ce que je vais te dire. Tu sais, il y a un homme qui peut te draguer, tu vas accepter. Un homme peut te draguer. Ouais, tu vas accepter, ça va, chacun, tu vas être avec lui. Tu vois un peu? Tu m'entends? Oui, un homme peut te draguer et puis tu vas accepter, tu vas être avec lui. Mais les relations où la femme, elle doit se battre pour l'attention de l'homme, elle doit lui montrer qu'elle est celle pour qui il doit être amoureux. Les relations, c'est toi qui poursuis dans le début, sont les relations où ça dure le plus. Aimant. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Ah, je suis d'accord avec toi. Poser de questions. Les femmes font quoi? Non, il a dit, moi, les relations où c'est la femme au début qui a montré l'attention. L'homme, il s'en foutait d'elle. Tu vois un peu, il la regarde même pas. Et elle s'est battue pour avoir son attention. Elle a commencé à flirter avec lui. Il a commencé à s'intéresser à la vie. Elle est pas mal. Mais c'est toi, dans ton esprit, qui est venu en premier. Et à chaque fois, c'est toi qui dois faire pour qu'il soit fond de toi. Tu veux lui plaire, tout ça, jusqu'à ce qu'il tombe fond de toi. C'est là que la femme dure dans la relation le plus. Oui, quand l'homme vient vers toi, quand l'homme vient vers toi, et puis il te montre que non, il a trop envie de toi, tout ça. Là. Ces relations, ça ne dure pas. Bon, moi, je n'ai jamais expérimenté ce genre de cas. Donc, je ne peux pas me prononcer dessus. Mais... elle n'est pas des vérités dedans. Mais vu que je n'ai jamais expérimenté ce genre de cas, je ne vais pas me prononcer dessus. C'est qui, Ashley? Oui. Ok. Maintenant, moi, Yedi, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais côté féministe, là, je ne suis pas d'accord, en fait. Parce que, en fait, tu confonds en fait, mauvais comportement avec être féministe. Il y a des filles, là, elles ont un mauvais comportement, en fait. Donc, elles prennent le côté féministe là, pour cacher. Mais ma chérie, moi, je suis féministe tout en étant soumise, quoi, en fait. C'est quoi la définition? Quand je me marie, je vais pour Paris. Voilà. En fait, je me
accepter en fait, avoir en fait le même droit que les hommes. Déjà, c'est un problème. Comment tu vas avoir le même droit que les hommes? Ça, c'est un problème. Ok, je t'explique. Ok, je t'explique en fait. C'est chic. Tu es dans une entreprise comme ça, tu dois avoir le même salaire en fait. C'est de ça qu'on parle. Tu dois avoir le même salaire avec un homme en fait. Tu vois, je sais pas si tu comprends. C'est, ça veut pas dire en fait que je suis à la même force que l'homme. Tu dois quand même faire. Mais quand même, tu vois que ça ne veut pas dire ça. Tu peux pas faire ce qu'un homme fait. Exactement. Et tu vas avoir le même salaire que lui. Oui. Bon. Tu as quoi? Tu as musulman? En fait, tu as musulman? Non. Qu'est-ce que l'islam dit entre l'homme et la femme? Qu'est-ce que l'islam dit? Ok, l'islam dit de se soumise, hein. D'être soumise. Ça, je suis d'accord. Mais déjà, tu n'es pas que de soumettre. Moi, j'ai pas de souci avec mon mari. Justement, en fait, j'ai pas. Mais dans une entreprise là, on parle pas d'un truc physique, on parle de l'intelligence en fait. On utilise. Il y a des femmes dans une entreprise, c'est elles qui font évoluer mais l'entreprise tu sais, en fait. Il y a donc, des choses que la femme ne peut pas faire. Parce que c'est une femme. Tu vas lui donner un salaire. La capacité comme quoi à se gérer émotionnellement est difficile pour la femme. Tu sais, un homme peut perdre. Un homme peut perdre. Non. Il y a des femmes qui arrivent. D'accord. Il y a des femmes qui arrivent. Mais un homme peut perdre sa femme. Son enfant, son travail, son boulot, et puis tu vas le voir, il va te dire tout va bien, t'as pas à savoir. Mm-hmm. C'est difficile pour la femme de faire ça. Ça là. Ah, mais c'est ce qu'on, voit chez les cocos. Non. Oh. En fait, non, je comprends ce que tu dis, mais je pense que gérer ses émotions là, ça, ça n'a rien à voir avec être femme. Oui, l'homme gère plus bien ses émotions que la femme. Oui, la femme est super émotionnelle. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je suis biologiste. Ah, bah, il faut utiliser la biologie. Pour que la femme est plus émotionnelle que l'homme. Il ne faut pas dire les choses comme ça. Moi, je suis une femme. Je suis d'accord. Mais côté émotionnel, là. Tu peux, en fait, te traîner là-dessus, en fait. Ça ne veut pas dire parce que tu es une femme. Mais tu sais. Je sais pas. C'est la nature qui nous enseigne. J'ai pas créé les règles, ma chérie. Les règles sont. Bien sûr que tu n'as pas crié. Tu comprends un peu. Il y a des choses, tu vois, le problème, regarde, je te donne un exemple clair. Imagine, il est 3h du matin, tu rentres chez toi. Tu comprends un peu? Il est 3h du matin, tu rentres chez toi, et dans la même rue où tu passes, il y a une femme, il y a un enfant, et un homme d'au moins 2 mètres que tu vois, et un gars qui est en train de t'agresser. Tu vas avec qui? Question. La question est pimentée, ma chérie. Oui, comment parler? Non, il pose la question. Tu rentres de chez toi à 2h du matin. Non, elle est avec les garçons. Elle est avec les garçons. C'est qui dit là, c'est la vérité. Moi, je ne suis pas féministe. Pardon. Tu vois, bon, non, il n'y a pas de problème. Écoute ton point. Okay, je te donne un exemple. Tu rentres chez toi à 2h du matin. Ouais. Tu vois un peu. Et dans la rue dans laquelle tu passes, il y a un enfant. Et il y a une autre femme. Et il y a une troisième personne qui est un homme de 2m50. Il est musclé. Et il y a un gars qui veut t'agresser. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Quel homme? Parti chez l'homme, of course, en fait. L'homme de 2m. Non, en fait, ça, non, ça y a pas. Tu vois, parce qu'on est complémentaires. On n'est pas contre vous. Mais chacun a sa place. Mais tu sais, on ne sait pas les droits que aussi. Mais c'est... chacun a sa place. Non, les mêmes droits dans la société. Parce que je sais que les garçons sont plus forts que nous. Je suis fort que toi, et puis tu vas avoir les 2000 euros forts, avec moi. Mais ok, genre, tu imagines que tu es dans une entreprise avec une fille parce que tu es un garçon. On te paye 2000 euros et la femme, on lui paye, genre, on lui donne 1500 euros. Mais c'est ce que non, tu veux, en fait. C'est ce que toi, tu demandes. Ma chérie, non, tu ne comprends pas. Parce que, en fait, la femme. En fait, le fait. Maintenant, en fait, il y a de donner. C'est pas, c'est notre fatigue. En fait, c'est notre palais qui fait beaucoup de mal aux femmes. Parce que les femmes n'aiment pas les hommes qui ont la même valeur qu'elles. Pourquoi? Tu sais, si on te donne 2000 euros, on me donne 2000 euros. On me donne 2000 ça, euros, je suis on te donne 2000 euros. Tu sais que. Tu n'as pas voulu te marier, mon nom. Justement, en fait, je me marie avec quelqu'un qui a 3 000 euros. En vérité, imagine maintenant, dans la société, on commence à donner 10 000 euros à toutes les femmes et puis les hommes, ils ont 1 000 euros. Les femmes ne vont pas se marier.
Mais c'est ça. Non, on n'a pas ça. Dit ça. On mais chérie, à vous que ce que nous venons de dire, c'est le salaire. Regarde en fait. La société où elle va. Si toutes les femmes commencent à avoir... parce qu'au début, on met l'égalité salariale. Tu vois un peu. Tous les hommes dans le monde ont le même salaire que les femmes. Il n'y aura pas de mariage. C'est ça. Parce que la femme n'est pas attirée par un homme qui a le même niveau qu'elle. À cause de ça que tu vois que une femme, mais on elle peut être là comme ça, elle au village, et puis le moment où elle arrive en ville, elle commence à rencontrer un homme, elle ne regarde plus son pointeur du village. Ils n'ont plus le même niveau. La femme regarde en haut d'elle. Justement. Tu vois, la femme regarde en haut d'elle. Donc, le féminisme donne plus de mal aux femmes en voulant les rendre égales à l'homme. Tu vois, parce que si tu es égal à moi, les femmes qui sont pas en relation sont malheureuses. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée. Quel que soit son argent qu'elle gagne, elle est malheureuse. Parce que ce qui fait la joie d'une femme, là, c'est une maison avec des enfants qui la rendent heureuse. C'est pas l'argent même. Parce que demande aux femmes qui ont 50 ans, elles vont te dire qu'elles sont prêtes à traiter tout leur million pour avoir un enfant seulement, un seul enfant. Les femmes qui n'ont pas d'enfant, ils te promettent. Peut-être c'est la jeunesse qui te fait parler comme ça, chérie. Je suis d'accord. C'est ça. Faut le dire encore. Elle n'a pas encore vécu. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Attends, je lui pose la question. Je lui pose la question. Donc, toi, tu es dans une entreprise, tu fais le même travail avec l'homme, en fait. Tu es d'accord qu'on te paye peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 3000 euros. Et puis, on paye peut-être l'homme 3500, 4000 euros. Tu es d'accord avec. Tu t'adresses à moi. Mais oui, oui. Je pose la question. Mais oui, je serais d'accord. Parce que tu dis que tu es d'accord. Aussi, vu qu'on n'a pas le même poste, tu vois. Ça dépend aussi. Non. Mais c'est la vous société avez le même poste, qui a fait en fait. Si on fait comme ça, c'est parce que c'est bon pour nous, en fait. C'est bon pour vous, mais c'est pas bon pour nous. Tu vois, en fait, le problème, c'est quoi? Tu vois, moi, comme ça, moi, il n'est pas de travail. PDG. Moi, c'est mon business, tout ça. Moi, il n'est pas de problème. Peut-être si toi, c'est ma copine, tu vas travailler, tu vas avoir tes 2000 euros, 3000 euros mensuellement. Moi, il n'y en a rien à foutre. Moi, je fais mes 20K mensuellement. Tu comprends un peu? Tu as voulu te marier, moi, il n'y a pas de problème. Mais le gars qui est dans ta société, tu n'as jamais le regardé. Exactement. Non, je ne peux pas le regarder. C'est parce que donc, c'est plus une femme réussit dans le monde, en fait, dans le corporate world, plus c'est difficile pour elle de se marier. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont en haut. Et c'est ce qui envoie le truc. Là aussi, vous ne voulez pas la polygamie. Parce que les hommes qui ont un business, qui sont au top de la hiérarchie, ils ne sont pas beaucoup. Exact. Et je vais te dire, moi je suis au top de la hiérarchie. Je veux Ashley, je veux une autre femme. Tu n'as pas accepté. Tu veux être monogame. Exactement. Pendant que je suis, on n'est pas beaucoup. Et les hommes, les 80% qui sont en bas, ils restent célibataires. Mais les femmes ont plus de mal avec ça. Un homme peut vivre, il ne va pas avoir d'enfant, il va mourir comme ça. Mais c'est difficile pour les femmes. Exactement. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça. Elle n'est pas dit. Ma soeur, je suis une femme, du coup, ma soeur n'a pas raison du tout. Ok. Non, limite, tu as raison, tout ce que tu dis, c'est vrai. It's true. It's true. I know. Les femmes, ils sont pas d'accord là. Mais le problème, en fait, le problème avec les femmes, c'est qu'elles disent ça dans la bouche, mais dans leurs attitudes, c'est contraire. C'est faux. C'est faux. Et tu as raison. Non, il sait qu'il a raison, il est mal concentré. Peut-être qu'ils ont des avis différents, ceux qui ont des avis différents, vous pouvez monter dans les lives et donner vos avis. Elle dit, tu vois, elle là, elle dit, faut les hommes haut placés peuvent se permettre d'être polygames. Oui, les hommes haut placés peuvent se permettre d'être polygames. Pas tous les hommes haut placés veulent être polygames. Elle dit aux hommes de chercher à être haut placés dans la société parce qu'elle dit aux hommes de chercher à monter. Tu vois un peu? Mais tout le monde ne peut pas diriger. Exactement, c'est ça. Il y aura toujours des pauvres et des riches. Toujours, c'est comme ça et ça ne va pas changer. Moi, je suis une femme et je ne suis pas d'accord avec ma soeur. Voilà, parce que la polygamie, ce n'est pas mauvais. Parce que les gens ont réussi à vous faire croire que non, PDA c'est bon, mais polygamie ce n'est pas bon. Les gars, arrêtez ça. Bon, si tu as tes moyens, si tu as tes moyens, if you have... En anglais, en français, c'est de la gifle.
En tout cas, la polygamie, moi, je ne me prononce pas dessus parce que moi, je n'aime pas. Non. Du coup, je me tais. Non, moi, tu n'as pas obligé d'être polygame. Mais voilà. Je te donne un autre exemple encore. Tu sais, les hommes polygames, il faut regarder leur foyer. Les hommes qui sont polygames, leur foyer, y a... les femmes ne le trompent pas. C'est dans le foyer monogame que les femmes trompent. Ça dépend aussi. Hein. Je te dis la vérité, il faut regarder bien dans les foyers polygames. Tu vois pas les films, ma famille, les femmes étaient, le gars, il était polygame. Regarde bien, ma chérie. Dans les films, là, quand un homme est polygame, les femmes ne le trompent pas. Tu vois un peu. Dans le foyer monogame, la femme trompe. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas, hein, la femme, là, quand quelque chose est hors de sa portée, c'est ce qu'elle veut. Tu comprends un peu? Et le fait qu'il y a une femme dans la photo, tu sais, quand une femme est là dans la photo, ta go et toi, quand elle voit une autre gosse, elle devient bien fond de toi. Tu sais ça, non? Mmh. Il te dit la vérité. Non, le niveau, tu sais tes trucs. Mais c'est ce qu'on on voit. Goa. Femme, là, quand elle commence à faire cette bêtise, et puis elle voit que non, il y a une autre go là. Elle commence à dire non, pourquoi tu es elle? Elle veut te reprendre. C'est comme ça les femmes agissent. Tu vois un peu? Ouais. Ce qui fait que dans le foyer polygame, en vérité, les femmes, elles ont tendance à se battre entre elles pour obtenir, pour être la meilleure du monsieur. La meilleure. Tu vois, elles ont le, elles se battent entre elles pour être la meilleure épouse du monsieur. Tu exactement comprends un peu? Elle n'a pas le temps de regarder ailleurs. Elle se bat et ses rivales entre elles pour obtenir l'attention du monsieur. Mais quand c'est un foyer monogame, elle commence à s'ennuyer. Une fois que la femme s'ennuie, c'est fini, le foyer est mort. Mais non, pas du tout. Une fois qu'une femme commence à s'ennuyer d'une relation, c'est fini. Il n'y a plus de relation. Mais non. Ah, après, tu as vu ça aussi. Et c'est que tu viens discuter, après, tu t'assois, tu réfléchis, tu m'appelles, tu me dis, André, tu as raison. Hein. Je dois réfléchir à ça. Mais pour le moment, je ne pense pas. Je ne suis pas arrivé mal. Attends, il s'appelle donc, comment Luc qui vient de monter là. Ismaël, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ismaël, on dit quoi? Ça va bien, ça va bien surtout. T'as pas de problème. Dis-moi, tu voulais... Moi, je voulais te dire merci pour tout ce que tu fais. Je te suis okay depuis un bon moment. Et j'apprécie vraiment ton contenu. Ok, merci frérot. Merci beaucoup, ça. On est ensemble. Te donner beaucoup de force. Et puis, je pense que les filles, elles ont tendance à se rallier un peu en direct. Là. On s'est rallié, mon frère. Faut chercher beaucoup pas, d'argent. Elles sont mal se rallier. Il y a une qui vient de se rallier tout de suite. Ah ben, elle est en train de faire à manger. Mais franchement, ce qu'il dit, c'est la vérité. Éloignez-vous des femmes féministes. Elles vont rien vous apporter. Voilà. Une femme, les qui parle de, elle parle mon numéro où elle va envoyer l'argent. Je suis fatigué de merci. Voilà. Moi, je voulais poser une question. Oh, une question qui n'a rien. Vas-y. Il y a un genre de femmes aussi, elles ont tout le temps raison. Je sais pas, souvent quand vous avez des histoires, elles se débrouillent pour avoir raison. Même quand donc, elles se débrouillent pour avoir raison parce qu'elles savent que tu es le genre d'homme en fait. Tu sais, les femmes, c'est, tout ça, c'est des tests. C'est pour tester. Et puis souvent, elle fait sans le savoir. Tu vois? C'est pour tester quel genre d'homme tu es. Elle va faire un petit truc pour t'énerver. Et quand tu vas t'énerver, elle va dire non, tu es un peu trop dur, tu es un peu temps. Parce qu'elle va oublier l'action à laquelle tu as réagi. Et toi, en tant qu'homme, tu dois rester sur ta décision. Jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Si elle ne s'excuse pas, il n'y a plus de relation. C'est comme ça les femmes détestent. Mais quand tu viens, elle se fâche. Et toi, tu viens lui dire non, pardon, tant. La femme perd l'intérêt. Parce que tu es un homme, c'est ça qu'on appelle se soumettre. Là. Sinon, ce n'est pas pour dire que tu as préparé pour elle. Hein. C'est ça qu'on appelle se soumettre. Parce que c'est un mind game, c'est dans l'esprit. Tu vois? Tu es en train de lui montrer que non, si elle est fâchée, ça te fait trop mal. Tu es en train de lui montrer que tu as peur de la peine. Si elle a fait quelque chose, tu lui dis, je ne veux plus que ça se répète. Si elle est fâchée, tu la laisses, elle se fâche, elle va se défâcher. Exactement. Tu vois un peu? Elle va se défâcher. Ou bien elle va essayer de te manipuler avec le sexe. Et c'est là que beaucoup d'hommes tombent. Parce que ta copine fait des bêtises, et puis quand elle vient, elle veut que vous couchiez ensemble. Et puis il y a d'autres qui n'arrivent pas à résister, ils couchent avec elle. Quand tu couches avec elle, elle sait que tu es faible. Tes pulsions sexuelles te manipulent. Sinon, la plupart du temps... Quand moi, ma go fait cette bêtise-là, elle vient, elle veut me... J'ai dit non, faut pas me toucher. On dort jusqu'au matin.
Le lendemain, il se réveille. Que non, faut m'excuser. Je sais que non, il a mal agi, tout ça. Si tu te prends par le sexe, c'est que tu es faible. Tu comprends un peu? Parce que ce n'est pas une faiblesse physique, c'est une faiblesse mentale. Exactement. C'est ta force mentale que la femme teste. Et elle a raison. Et les gens ne comprennent pas. C'est un mécanisme naturel, en fait. Parce que la femme a raison de te tester. Parce qu'une femme te teste pour voir si tu es solide, de sorte à ce que tu peux assurer sa protection. Parce que si toi-même, tu ne peux pas, en fait, lui la mettre sur le droit chemin, c'est pas quelqu'un qui vient la gifler que tu as, mettre sur le droit chemin. Mais c'est ça. Tu vois un peu? Donc, elle te teste en vérité pour assurer elle-même ses arrières. C'est un mécanisme instinctif, c'est naturel. Tu vois? Mais il y a des gars maintenant qui font les bêtises même. Ça, c'est pas instinctif. Ça, c'est les yeux clairs. Elle fait bêtise. Elle, là, tu dois lui dire dégage. Dégage. Va-t'en, voilà. On n'a pas besoin de toi. Voilà. Elle, on n'a pas besoin d'elle. Tu vois, non? Tu ne peux pas prendre une femme qui va te donner des maux de tête à chaque fois. Claire, une femme va gâcher ta vie, mon gars. Une femme va gâcher ta vie. Si tu as choisi une mauvaise femme, elle va gâcher ta vie. Tu as travaillé pendant des années pour obtenir tes ressources. Elle va prendre ça pour aller donner à un autre homme. Et il ne faut pas t'amuser. Ok, d'accord. Si tu as autre question, pose-moi, mon frère. L'homme, regarde, tu as des demandes, là. Attends, je regarde. Le goût, voilà. Ok, il y a les gars, venez. Il y a les diamonds. Ouais, ouais, c'est ça. Demande même que accepter. Il veut monter depuis. Ouais. Depuis. Là, je pense. Ah, il est chaud. Ça va, le thème a touché. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Je voudrais d'abord réagir sur le truc de l'inégalité de salaire. Là. Ok. Déjà, c'est très faux. Je ne sais pas si elle s'informe parce que le docteur Jordan Peterson, je ne sais pas si elle lit des études, a démonté ça depuis. Okay. Et même au sein du genre masculin, les salaires ne sont pas les mêmes. Hein. Au sein d'un même poste, au sein d'une même entreprise, les salaires ne sont pas les mêmes. Ça dépend de ce que tu donnes comme effort, ce que tu apportes comme valeur à l'entreprise. Exactement. Mm-hmm. Et puis le rôle que tu Et il a aussi été prouvé quelque chose aujourd'hui. Pourquoi les meufs font des OnlyFans au lieu d'aller travailler? Puisqu'elle parle d'égalité dans les salaires. L'égalité dans les salaires, c'est parce que les hommes et les femmes, biologiquement, ne sont pas conçus pour chercher les mêmes choses. Exact. Et c'est ce que les gens refusent d'accepter. Pourquoi les femmes ne cherchent pas le succès comme nous? C'est clair. Parce que le succès, ce sont les épreuves, c'est on va te trahir et tout ça. Mais les femmes n'aiment pas trop le conflit. Elles adorent le confort. Voilà pourquoi, malheureusement, il y a certaines qui ont bouffé la chiotte pour aller à Dubaï et tout ça là. Alors qu'elles peuvent soulever les briques. Parce que c'est ça. Elles peuvent soulever les briques. Aujourd'hui, les femmes crachent sur les hommes qui sont dans les, on va dire, au milieu de la chaîne ou en bas de la chaîne. Mais sans eux aussi, ceux qui sont au top ne sont rien. C'est eux qui participent aussi au maintien de la société. C'est clair. La première aussi qui est intervenue pour dire que les femmes n'aiment pas les bad boys. Malheureusement, dans la red pill, si je peux le dire ainsi, on dit qu'on ne débat pas avec les femmes. Parce qu'elles sont émotionnelles. C'est biologique. Tout ce que Dave dit, c'est biologique. Et là, je suis venu il y a quelques jours là, aux États-Unis, et c'est vraiment toxique ici. Hein. Les femmes sont comme des garçons, boss bitch et tout ça là. Non, mais tu sais, les femmes sont des garçons. C'est vrai, il y a des femmes qui sont masculines, donc tu dois t'éloigner. Ouais, c'est clair. Les États-Unis ont la plus basse valeur de femmes. C'est clair. C'est clair. Ouais. Tu comprends un peu? Mais il faut que tu comprennes que les femmes sont masculines jusqu'à devant certains types d'hommes, elles deviennent féminines. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. En fait. Parce que ton niveau de masculinité. Avec. Parce que quand la femme voit que lui, il est super riche, on va pas jouer avec lui, il n'est pas dans les bêtises, frère, elle se soumet. Elle est obligée. Elle est obligée de se soumettre. C'est sa nature. Tu dois être le genre d'homme, on va dire, elle fait des bêtises. Tu n'as jamais vu ça. Il y a des femmes qui sont masculines, elles font des bagarres, elles font tout. Mais quand tu la vois avec son copain, tu penses que c'est une femme différente. Ça dépend de quel homme lui il est. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a ça aussi. Les femmes doivent travailler sur leur féminité, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont féminisés actuellement. Ouais, ouais. Vraiment. Et les hommes féminisés, quand tu essaies de les aider, c'est eux-mêmes qui te combattent que les femmes. Mais dans les commentaires, ils sont là, non? Plein là, les bêtas là.
Il faut dire la vérité, c'est que la soumission d'une femme se mérite. Quand Dave Parly ne parle pas de tous les hommes, c'est ce que certains ne veulent pas comprendre. C'est pas un homme qui ne travaille pas sur lui, qui est paresseux et tout ça là, qui va mériter la soumission d'une femme. Non, c'est un gars qui a compris, qui est dans son grind, qui est concentré sur lui et tout ça là. Lui mérite parce que il est concentré, il a un truc concret, donc il va pas accepter qu'une meuf vienne dans sa vie et elle ne remplit pas les standards. C'est clair. Exactement. Le problème, c'est que les hommes n'ont pas conscience de leur valeur réelle. Exactement. Ouais, ouais. Tu comprends un peu? C'est à cause de ça. Il y a eu une consultation avec un tonton de 43 ans. Ouais. Le vieux père, il a pris une femme en Guadeloupe. Elle a déjà 2 enfants. Lui-même, il a 3 enfants. Il a pris la femme. Il a commencé à s'occuper d'elle. Commencé à tout faire pour elle. Pendant 3 ans. Tout bien. Tu comprends un peu? Ouais, et à un moment, la femme a commencé à faire bizarre. Elle lui dit, laisse-la partir. Tu comprends un peu? Et le tonton a du mal à la laisser partir. Je lui demande, mais tonton, il a l'argent, il est riche. Tu comprends un peu? Tonton, il a l'argent, il est riche. Mais je lui demande, mais qu'est-ce que tu vas perdre en fait en la laissant partir? Parce qu'elle ne travaille pas. Tu fais tout pour elle. Et puis elle a déjà un enfant. Tu as accepté trop de choses. Et le tonton ne veut pas la laisser partir parce que ça le fatigue. Tu vois, il n'a pas conscience de sa valeur. Ouais, il n'a pas conscience qu'un homme comme lui, il y a beaucoup de femmes dehors qui veulent ça. Claire. Ça cause ça que le premier truc que la femme fait, les femmes narcissistes, elles brisent ta confiance en toi. Si tu es faible. Ouais. Ouais. C'est ça. Ah, c'est difficile, le game est terrible. Hein. Mais le game, c'est la vie, hein. Le game, c'est la vie en général. Le game, c'est la vie en général. Comme tu as dit, une femme peut briser un homme. Moi, j'ai un de mes cousins qui est décédé à cause d'une femme. C'est-à-dire que lui, c'était le mec. Il était beau, 2 mètres et tout ça, métis, machin, il avait tout. Mais il est tombé sur une meuf, elle était peut-être un 6 ou un 5 sur 10. Elle a trompé, tout ça là, il n'a pas supporté parce qu'il avait investi sur elle et puis il s'est suicidé. C'est triste, mais... C'est ça votre problème à vous les hommes? Non, quand la mais c'est pas un problème, c'est parce que l'homme et la femme n'aiment pas de la même façon. L'homme peut aimer inconditionnellement, la femme aime par opportunité. Elle est opportuniste en amour. C'est-à-dire que, par exemple, lui, il a été bêta parce que c'est vrai qu'il s'est dit que ça ne pouvait jamais lui arriver. Donc, il a eu le choc parce qu'il a investi sur elle pendant plus de 15 ans. Et il a découvert que, en fait, depuis le début, elle le trompait avec différents mecs. Elle faisait même des partous et tout ça. Hein? Et lui, il était complètement... Ouais. Moi, ben, ça m'a même suicidé. Non, mais quand tu dis non, c'est notre problème. C'est parce que tu n'as pas ressenti. Elle faisait non, des partous. Quand tu sais, Ashley, c'est vrai. Non, c'est pas que ça... L'homme t'a suicidé. En fait, regarde, tu essaies de l'oublier et puis de refaire ta vie. Imagine. C'est pour ça la vie. Attends d'abord, imagine que l'amour que l'homme porte à une femme, là. Il avait l'argent. Les femmes ne peuvent pas comprendre comment ça fait mal quand il y a une séparation. Elles ne peuvent jamais comprendre. Il était. Parce il avait l'argent. Peut-être l'homme ne va pas te montrer, mais ça fait mal. Il avait l'argent. Et quand elle le trompe, c'est avec des gars qui ne sont rien. Des gars qui ne sont rien. Donc c'est son honneur. Il y a d'abord son honneur. L'honneur. Parce que c'est l'honneur de l'homme. C'est l'honneur de l'homme. C'est ça. Et puis, il voit tout ce qu'il a sacrifié. Ce n'est pas une raison, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait un homme qui... Non, moi, je comprends. Je comprends. Non, j'ai dit, elle ne peut pas comprendre. Une femme. Elle ne peut pas comprendre. Mais elle ne peut pas comprendre parce que les femmes ne peuvent pas faire ça pour un homme. La vie qui est belle comme ça. Ah, ces options. Tous les cuits. La vie qui est belle comme ça, je vais me suicider parce que ma femme... Elle va me tromper. Mais ça... Ça arrive, quoi. Ça, en fait. Mais c'est pour te dire quoi, les hommes maintenant sont concentrés sur les mauvaises choses. Oui. Tu vois un peu. Les hommes sont concentrés. Femme n'aime pas quand tu l'amènes devant. Moi, c'est une clair. Femme ne peut pas venir passer devant mon travail. C'est impossible. C'est pas possible. Claire, parce que si elle n'a pas de travail, elle va me boire. C'est sûr. L'amour inconditionnel n'existe pas. Un week-end à On peut faire tout. Mais mon travail est important. Je ne peux pas laisser mon travail. Tu comprends un peu? Parce que la femme aussi, tiens, elle va commencer à sortir toi. On connaît Ashley. Elle va commencer à sortir toi. Elle va voir que
moi, elle faisait mes vidéos, elle faisait mes trucs. C'est comme ça qu'elle m'a connu. Un moment, elle va dire non, tu fais trop de vidéos, on va arrêter. On n'a qu'à rester ensemble maintenant. Et puis moi aussi, elle écoutait. Elle écoutait, elle a commencé à laisser des vidéos là. Elle va commencer à me quitter. Parce que quand elle m'a connu, c'est à cause des vidéos, elle est devenue fan de moi. Hein. Quand elle arrête de faire vidéos, elle n'est plus fan. Oui, oui. Ou bien, mais c'est la vérité. C'est clair. C'est vrai. Elle me rencontre passé 7 jours. Les femmes, maintenant, elle m'a rencontré. Les femmes, elle ne peut pas écouter la femme. Il n'y a pas femme d'intérêt. Toutes les femmes sont comme ça. Il n'y a pas femme d'intérêt. Même nos mères. Pas, non, c'est pareil. C'est pas ça, c'est choisir vos femmes. Femme matérialiste. Ce n'est pas que. Femme, c'est vrai qu'il faut matérialiste. Il n'y a pas de femme matérialiste. Toutes les femmes sont matérialistes. C'est clair. C'est clair. C'est clair, en fait. Les femmes d'intérêt. C'est pour ça que je choisissais les femmes qui sont déjà accomplies. Non, même les femmes accomplies. Même les femmes accomplies, regarde. Moi, je ne suis pas basé. Comment ça, on a qu'à choisir les femmes qui sont déjà accomplies? Mais on fout quoi avec les femmes accomplies? Je peux partir prendre ma femme au village. Oui, Ashley, je peux partir prendre ma femme au village. Ok, pour couper tout, vous avez vu il y a des années de cela, Champ, vous avez vu sa femme très belle, mais niveau de zéro. Non, zéro. C'est vrai, mais non, c'est que tu dois comprendre à l'école que tu es une bonne femme. C'est que tu dois comprendre, toi et puis moi, on n'est pas pareil. Moi, je peux partir prendre ma femme au village, je vais l'éduquer, faire d'elle ce qu'elle veut. Je peux lui faire apprendre anglais, je peux lui faire apprendre français jusqu'au chinois. Je peux nettoyer ma femme jusqu'à ce qu'elle va devenir ce que moi je veux. Je peux faire ça. Mais la femme, elle regarde même pas. Je peux disposer à m'écouter, à suivre mes règles seulement. Je peux faire d'elle ce qu'elle veut. C'est moi, mon âge. C'est clair. C'est ça. Oui, je peux partir prendre une femme au village parce que les qualités qu'on cherche dans la femme là, c'est pas elle sait parler français. Non, c'est pas ce que nous on cherche. Français. En fait, c'est pas moi. Mais de toi à moi. Les qualités que nous cherchons dans nous là. Non, c'est pas le sexe présent. Le sexe présent vous êtes, c'est parce que vous devenez masculin. Donc vous pensez que nous les femmes qui ont les grands boulots. Non, Ashley, il y a un problème. Les qualités que vous cherchez dans nous, hein, nous, on ne cherche pas ça dans vous. Tu veux un homme qui peut prendre soin de toi. Tu veux un homme qui peut te défendre. Tu veux un homme qui est là pour toi. C'est ça que tu veux, non? Oui, exact. Ce n'est pas ce que moi, je cherche. Moi, je ne cherche pas une femme qui peut me défendre. Mais je ne cherche pas une femme qui a l'argent. Une femme vas-y, non, je ne cherche pas une femme qui a l'argent. Je ne cherche pas une femme qui peut me défendre. Je ne cherche pas une femme qui va s'occuper de moi. À cause de ça que l'argent d'une femme ne m'intéresse pas. Son travail qu'elle fait, ce n'est pas mon problème. C'est une femme qui est intéressée par le travail que moi j'ai fait. Mais moi, moi, elle m'intéresse à est-ce que c'est une femme qui peut m'écouter? Est-ce qu'elle peut me faire à manger? Est-ce qu'elle peut tenir une maison? Une femme du village, elle peut tenir une maison. Je m'en vais la prendre et faire d'elle ce qu'elle veut. Parce que elle peut faire parler anglais. Elle peut la prendre. Elle peut partir prendre une femme du village. Il est éduqué, si elle est jolie, il lui dit, ah, voici les manières à tenir qu'on en groupe. Voici comment tu dois parler d'un meeting. Voici comment tu dois faire ton. Il est éduqué, fait d'elle ce qu'elle veut. Parce qu'il peut changer la vie d'une femme. Mais n'oublie pas aussi que la femme change. Imagine, après 5 ans de mariage, elle veut te monter. Cela. Non, mais oui, c'est justement là où je vais mettre. Non, 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 tu fais quoi de ça? Quoi? Ta femme devient polie, tu dis quelque chose. C'est le dégagement express. C'est le dégagement. C'est le dégagement. C'est le bon sens. Attends, je change le titre là même. Attends, je change le titre là. On ne peut pas changer le titre. Mais c'est le problème des hommes. Ils regardent, ça fait 100 ans ensemble. Je m'en fous. On a fait 50 ans ensemble. Tu commences à me manquer de respect. Tu vas partir. Parce que moi, je peux attraper mon cœur. Quel que soit l'amour qui te porte, tu me manques de respect. Tu vas partir. C'est vrai. Les hommes n'arrivent pas à attraper leur cœur. Parce que le respect est plus important que l'amour. C'est vrai. Ah. It's true. Arrêtez de penser que ce que vous cherchez dans les hommes, c'est ça que nous on cherche dans vous. Et ça, c'est... Ok, qu'est-ce que vous cherchez chez les femmes? Alors, les hommes. Qu'est-ce que vous, les hommes? Les garçons qui cherchent une femme qui travaille, qui travaille dans la société, elle a l'argent, elle est déjà stable, c'est un garçon faible. Parce qu'il ne peut pas s'occuper d'elle. Sinon, vrai garçon, ils s'en foutent de quel travail tu fais. Ils te prennent, ils vont s'occuper de toi. Quelque chose, ce que tu fais. Ok. Ou bien c'est vrai. Un vrai garçon, il ne va pas te demander tu fais quel travail. Parce que c'est les garçons qui viennent faire 50-50 femmes qui se soucient de où tu travailles.
Moi, je ne fais pas 50-50 avec toi. Tu viens dans ma maison et m'occupe de toi. Il n'y a pas de problème. Ton argent que tu gagnes, il faut garder. Mais donc, Agnes, si elle a droit de faire 50-50, c'est quoi une femme à couple? C'est quoi une femme à couple? Hein? Elle parlait de femme à couple. Il faut lui demander. C'est quoi une femme à couple? Une femme accomplie, qu'est-ce que c'est? Bon, pour moi, la définition d'une femme accomplie, j'ai dit pour moi, je n'ai pas ça pour faire polémique. Je vous écoute ici, là, je vous écoute. Pour moi, la définition d'une femme accomplie, c'est une femme qui a fini ses études, qui a ses business, qui se gère, qui a des comptes. Mais est-ce une femme obligée d'aller à l'école? Pardon, pardon, non, lui, il n'est pas arrivé là-bas. Moi, oui. Pour moi, j'ai dit pour moi. Pour moi, une femme accomplie, c'est une femme qui allait à l'école, qui est stable financièrement, qui peut se permettre de faire des voyages. Tant que ma femme sait faire foutre sauce, qui sait faire sa cuisine. Ok. Une femme qui peut tenir un discours devant lui, qui sait s'exprimer. Une femme réfléchie, posée, qui sait s'amuser, qui sait aussi être posée. Pour moi, c'est une femme accomplie. Bon, maintenant, est-ce que tu penses que tout ce que tu as cité là, ça tire Je sais pas. Parce qu'à part un gigolo, nous, on n'a rien à foutre que toi, tu as un business ou un truc comme ça. Clairement. Clairement, parce que de nos jours, vous pouvez faire le monde d'aujourd'hui, on peut avoir des business très facilement. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile qu'avant. Mais en fait, les hommes cherchent maintenant les valeurs qui se perdent, comme le respect, la coopération et tout ça là. Le mot soumission vous dérange alors que vous êtes... Soumission, là, les femmes voient ça abattement. Attends, je vais te donner la définition de soumission. Abattement. Utilisation. Mais non. Voilà. C'est comme ça que vous voyez ça, en fait. Prison. Les autres. Parce que toutes les relations humaines sont basées sur la domination et la soumission. Même entre amis, il y a une qui domine. La soumission chez la femme est naturelle. Quand l'homme fait sa part, il est dans sa position d'homme. Non, mais dans les... La femme est soumise. Dans les commentaires, elles font comme si elle n'était jamais soumise. Tu vois pas le même qui traîne deux jours là. Attends, il vient t'expliquer. Qui ça? Il vient. Tu vois deux jours là. Les femmes qui veulent se jouer les garçons. Il y a un truc qui traîne sur le net. Tu vois, c'est un go qui va dans un magasin pour choisir sa robe de mariée. Et dès qu'elle prend la robe de mariée, en même temps, elle a des flashbacks. Elle est en train de balayer la maison. Elle est en train de baisser un enfant. Elle est en train de préparer. Tu n'as jamais vu cette image-là? C'est ce qui traîne. Et puis les gars là, les femmes ne veulent plus se marier maintenant. Donc, c'est pas moi ici, garçon, à vouloir me marier. C'est triste. Ah, les femmes ne veulent plus se marier. Oh, le mariage, c'est une belle chose. Bon, c'est très bon de se marier, mais les femmes ne veulent pas se marier. Oui. Et maintenant, les hommes, maintenant, ils cherchent mariage que les femmes. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, les hommes aiment la stabilité. La femme, elle est dans le PEA. Elle est femme. La femme est dans le PEA. Femme était faudie. Elles sont pas stables émotionnellement. Et puis le truc, je vois, il y a une qui a écrit les femmes de maintenant ne veulent plus être soumises parce que. Karine, là, son commentaire est très intéressant. Elle dit, les femmes de maintenant ne veulent plus être soumises parce que certains hommes abusent de ce pouvoir pour écraser totalement les femmes. C'est pas ça, c'est très vrai. Et je parlais aussi de ça à une go dernièrement. Pourquoi les femmes ne veulent pas être soumises? Parce que quand un homme, il fait tout pour une femme, il commence à dire non, c'est toi, il fait ça, et il prend ça pour l'écraser. C'est pas le même type d'homme que nous, on est. C'est clair. Nous, on sait que si on prend soin de toi, tu nous payes en respect. On n'a pas dit, il a fait ça pour elle, il a fait ça pour elle. C'est mon devoir de faire ça pour elle. Tu me payes en respect, je continue de le faire pour toi. Il n'y a pas de problème. Un peu, ça dépend de l'homme. Vous comprenez un peu? Ça dépend de l'homme. Il faut savoir, il y a des hommes qui sont mesquins. Tu comprends un peu? Il y a des hommes qui sont mesquins. Il y a des hommes, quand ils finissent la relation, ils vont dire, envoie-moi tout ce qu'elle paye pour toi. Envoie-moi tant. Ça c'est pas nous. Tu comprends un peu? Parce que les femmes aussi doivent savoir, c'est toi qui as choisi l'homme. C'est toi qui as choisi l'homme. Exactement. Parce que vous avez plusieurs options. C'est ça le problème. Pardon, ma chérie. Il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs hommes qui sont dans les téléphones des femmes.
Il y a celui qui te court après. Il y a celui qui vient à toi. Il y a celui qui te couvre de cadeaux. Mais la majeure partie du temps, c'est ce que je disais, les femmes n'aiment pas cet homme-là. Les femmes, la plupart du temps, quand tu regardes bien, elles vont courir derrière celui qui ne les veut pas. Et après, elles blâment en fait le gars de mal la traiter. C'est toi qui m'as choisi, bébé. C'est toi qui m'as choisi. Parce que l'homme qui court derrière elle, je veux t'envoyer ici, je veux t'envoyer là. Elle l'aime pas vraiment. C'est ce que je disais à Marianne tout à l'heure. Les relations qui durent mieux sont les relations où la femme a choisi le monsieur. Elle dit c'est lui le veut. Même quand il la veut pas, elle se baisse quand elle devient sa go. Mm-hmm. Moi, avec tu sais de quoi il parle. T'as quel âge? For sure. Hein? T'as quel âge? Il dit, elle a vécu ça. Ah, pas... T'as fait quoi mon âge? Ah, le goat. Non, j'ai dit, j'ai vécu. Sinon, Karine, on a compris ta science. On a compris non, ce que tu veux dire. Elle a raison, elle a raison. Toi, elle a raison. Elle a raison. Il y a des hommes qui abusent de leur pouvoir. C'est à cause de ça que les femmes ont peur de se soumettre aussi. Mais, quelque part, les femmes font le choix. Oui. C'est les femmes qui font le choix. Exactement. Oui, les femmes font le choix. Les femmes sont responsables, en fait, d'avec qui elles couchent. Parce que tant que, quel que soit, regardez quelque chose, hein, les femmes sont responsables de la sexualité. Parce que tant qu'une femme ne veut pas, tu ne peux pas coucher avec elle. C'est clair. Mais c'est de la même manière que les hommes aussi sont responsables de l'engagement. Parce qu'elle ne te marie pas tant qu'elle ne veut pas. Oui. Tant qu'elle ne veut pas, elle ne te marie pas. Donc, voilà, le moment où tu commences à coucher avec un homme, tu as choisi de le faire. Mm. Assume ce que tu as choisi. Il y a tout ça dedans. Il y a un commentaire à nos limites, le dernier commentaire. Ok. Tant qu'une femme contribue à la tranquillité, c'est ça? Oui. Tant qu'une femme contribue à la tranquillité, l'épanouissement d'un homme, recevoir tout ce qu'elle désire. Et ça, c'est vrai. Même quand, c'est très vrai, même quand un homme n'a pas les moyens, quand la femme est très soumise, elle est dans son énergie féminine, même quand tu n'as pas l'argent, elle te demande quelque chose, forcé t'a trouvé. Exactement. Ouais. Forcé, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Parce que le problème, tu sais, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les femmes pensent que le meurtre, parce qu'en devenant masculine, elles vont obtenir plus d'un homme. Non, c'est en devenant très féminine qu'elles obtiennent plus d'un homme. La preuve en est que quand tu es dans une relation avec une femme, elle veut faire en fait la due avec toi. Et quand ça ne marche pas, elle rentre dans son énergie féminine pour dire non, pardon, ou bien elle veut te manipuler avec le sexe. Parce que c'est ce que la femme est censée utiliser normalement. C'est ces atouts-là, pas la force. Ouais. Mm-hmm. Pas la force, tu comprends un peu? Ouais, y a pas de problème, Karine. Après, je vais mettre le live sur ma chaîne YouTube. Y a pas de problème. Mais non limite, comme tu disais, le problème vient d'abord des hommes parce que les hommes sont devenus trop bêta. Du coup, les femmes s'adaptent aussi parce qu'il y a toujours des bonnes femmes. Je vous dis, c'est la faute des hommes. C'est la faute des hommes. Reprenez vos places. Même les idéologies que les femmes ont actuellement, c'est la faute des parents qui n'ont pas su protéger leurs filles de ce genre d'idéologie. Parce que les pères de maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Va à l'école. Non, c'est pas les valeurs que tu es censé inculquer à ta fille. Et les valeurs que tu es censé inculquer à ta fille, c'est le respect. Les valeurs que tu es censé inculquer à ta fille, c'est apprendre la cuisine, la faire rentrer dans toute sa féminité. C'est ça. Et voilà, c'est la faute. Tu serais un bon père, nos limites. C'est la faute des pères, c'est pas donc c'est la faute des hommes en vérité. Les hommes sont faibles et me tiens dessus. Les hommes sont faibles. Non. À cause de ça, les hommes même les sont femmes devenus faibles. Ça travailler parce non, que les hommes ne pas répondre aux besoins de la famille. Faibles. Les hommes sont devenus faibles. Ils ne sont pas faibles, ils sont devenus. Avant, nos parents n'étaient pas comme ça. Ma petite, l'idéologie, cette faiblesse là a commencé des pères en fils. Tu comprends un peu? Ça, c'est vrai que la faiblesse que nos grands-parents ont eu, c'est moins que la faiblesse de nos parents. C'est-à-dire quoi? C'est graduellement, ça descend. C'est-à-dire, moi comme ça, peut-être qu'ils pensent que je suis fort, mais peut-être mon père était plus fort. Peut-être mon grand-père était encore plus fort. Tu comprends un peu? C'est avec le temps que ça descend. Tu comprends un peu? Uh-huh. On a besoin d'hommes plus durs. Mm-hmm. Yeah. On n'aime pas garçon mou.
quelque chose ce qu'elles disent. Elles n'aiment pas garçon mou. Les bonnes disent non, t'es mou. Mais elles viennent toujours répondre à mes messages. C'est bizarre, ils n'écoutent pas. C'est leur nature, elles ne peuvent rien faire contre leur nature. Tu vois, c'est ça. Il y a un truc qui est là, c'est très instinctif. La voilà femme pourquoi les débats ne servent à rien. Solide. Oui. Les débats ne servent à rien. Robuste aussi. Les femmes aiment les hommes solides, physiquement, comme mentalement, comme financièrement. Imposant. Imposant. Claire. Pas garçon pressé. Chérie. Ok, y'a là. Ah, mon cher. Ah, t'as vu, non. Les gars sont très idiots. Elles n'aiment pas les garçons pressés. Mais tu veux quoi? Mais on vous aime quand même. On vous aime quand même. Non, mais on sait. Les hommes femmes, vous savez, le truc même, les femmes là, moi, elles me disent rien même. C'est les garçons. Parce que les gens ont un problème. Comme moi, je fais mes vidéos, ils ne parlent pas aux femmes. Sont aux hommes, ils parlent. C'est ça. Ou bien, vous n'avez pas remarqué, ils ne parlent pas aux hommes, aux femmes qui donnent conseil. C'est aux hommes, ils parlent. Oui. Réellement. C'est pour les robots. Parce que la femme aussi se comporte en fonction de qui est en face d'elle. Mm-hmm. Parce qu'avec lui, elle lui manque de respect. Mais moi, elle ne fait pas seulement. Tu comprends un peu? Yeah. Elle ne fait pas ça avec moi. Mais on est arrivé dans une époque où il y a des femmes, quel que soit comment tu es, un garçon accompli, elles ont juste ça en elles. Ouais. Et on est libre de ne pas dealer avec ces gens de femmes. Ouais. C'est vrai. On est libre de ne pas vouloir une femme qui a déjà des enfants. C'est vrai. On est libre de vouloir ça. Parce que les femmes aussi, actuellement, elles sont libres de ne pas vouloir un homme pauvre. Elles le disent haut et fort. Une femme aussi qui n'est pas vierge, elle va me montrer quoi? Et voilà. Ah, mais c'est ça. Il y a déposé. Non, mais c'est vrai, de nos jours, un homme n'a pas le droit d'avoir des standards. Quand il a des standards, on dit. Toi, tu veux pas un homme pauvre. En fait, non, le problème, c'est que vous oubliez, c'est l'homme qui construit tout, c'est l'homme qui vient, qui prend la femme. Lui doit être établi. Tu vois, oui, là, c'est pas faux, mais si on est établi, on peut aussi dire que toi, tu es pas bien. Tu ne veux pas un homme pauvre, non? Oui. Tu n'es pas un homme pauvre, non? Oui. Moi, je ne veux pas une femme qui n'est pas vierge. Tu sais pourquoi? Parce que réellement, la femme est faite pour un seul homme. Un seul qui? Oui. On s'en fout de ce que vous pensez. La nature et la vérité s'en fout de ce que tu penses. C'est vrai. La femme est conçue pour un seul homme. À cause de ça que tu vois, les femmes qui ont eu des relations très fortes, je parle de 21 ans, entre 21 et 26 ans. Il y a une femme, elle a connu une relation vraiment très forte, peut-être de 4 ans, avec un homme avec qui elle est attachée. La femme commence à prendre les habitudes de l'homme. Ouais. La femme commence à devenir comme l'homme. C'est l'empreinte. La femme commence à parler comme l'homme. Yeah. Les hommes qui ont été dans des bonnes relations savent. Elle commence à parler comme l'homme. Elle commence à faire tout comme l'homme. Elle commence à prendre ses tics. Si elle vit avec lui, elle commence à prendre tous ses tics. C'est l'empreinte de l'homme qui est en train de partir sur elle. Et ce genre de femme-là, c'est difficile après de pouvoir en fait matcher avec un autre homme. Elle a déjà son empreinte. Si elle a un enfant du gars, c'est difficile. Elle ne peut pas le laisser. Elle ne peut pas l'oublier. Elle est marquée à vie. Il y a une raison pour laquelle les livres saints disent que de ne pas coucher avec une femme avant le mariage ou quoi. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Parce, mais malheureusement, parce que l'homme, il peut partager sa semence. La femme ne peut pas faire ça. Une femme ne peut pas gérer deux hommes à la fois. Écoute, elle ne pouvait pas ça. Mais maintenant, elles sont déjà. Écoute ce qu'elle te dit. Femme ne peut pas gérer deux hommes. Moi, je peux gérer quatre go. Elles ne vont pas savoir. Toi, tu ne peux pas faire ça. Quand tu as commencé à causer un, il y a un qui a remarqué que il n'est plus comme avant. Mm-hmm. Elle n'est plus comme avant. On dirait ton amour s'en va quelque part là-bas. Tu ne peux pas faire ça. Quand il y a deux hommes, il y a un qui sera bizarre. Forcément, si il va vraiment, il va réaliser que Mago a commencé à devenir bizarre. C'est ça. Moi aussi, si vous cogitez pas gérer. Attends, moi, je peux gérer quatre go. Personne ne va savoir qu'elle a tombé. Personne. Elle ne va pas savoir. Free game. C'est à moi, les gars. Demain pour le prochain direct. Oh, je ne le dis pas déjà. C'est clair. Ah bon, si vous voulez, je suis là. Faisons 10 minutes. On ne peut pas donner tout le game gratuitement. Ils n'ont qu'à payer mes livres. C'est clair. Il y a trop les promotions là. Voilà. Tu dois commencer à faire des conférences dans le lycée. Ouais, il y a fait des conférences.
On va faire ça. Et alors, non, limite, faut faire monter slide bread là. Il veut donner. Mais elle la voit pas. Hein? Le truc même est là. Elle veut parler encore. Attends. Les gars, je vous supprime bien. Moi, les problèmes. D'accord. Non, limite, faut faire monter lui là. Eh, la minette. Bon, venez parler. Faut faire monter lui là. Calme-toi, Ashley. Faut te calmer. Pardon, excuse-moi. Il a fait monter. Je m'excuse. Tu vois que je suis soumise là. Dès que tu as parlé, mais c'est calmé. Faut pas te soumettre à moi. Non, pas toi. Non, mais essaie, t'inquiète pas. Tu vois. De faire monter qui? Le gars s'appelle Slide. Ouais, ok, ouais. Lui, il a mis un commentaire qui m'a plu tout à l'heure là. Ok. Je pensais. Oui, je suis là. Désolé, mon téléphone s'est éteint. Ok, d'accord. Slide. C'est un chéri féministe. Non, il est tout. Slide, on vous écoute. Allez, je vous écoute, je suis là. Il a dit que moi, j'ai l'impression que, en fait, tu minimises trop les femmes. Non, parce non, que, donc, j'ai l'impression que, en fait, non, attends. Tu franchement, en fait, c'est pas ça pour les hommes. Ma beauté. Tu dis quoi? Il y a un problème, c'est pour aider les femmes. J'entends pas, en fait. J'entends deux personnes parler. Le travail que je fais, c'est pour aider les femmes, en fait. Non, moi, je pense pas que tu aides les femmes. Au contraire, je pense que. Mais quand il dit à un homme de travailler, il va devenir riche et puis sa femme va pas travailler, elle va rester à la maison, il va s'occuper d'elle là. Non, c'est ce que les femmes veulent. Non, c'est pas ce que les femmes veulent en fait. Moi, je veux pas rester à la maison. Moi, c'est ce que je veux. Ok. Justement, non, attends. On dit un homme avec grand H, il est là. Non, il y a Foy. En fait, chacun a sa manière de voir les choses, en fait. Moi, je ne veux pas rester à la maison, je veux travailler. Toi, tu veux quoi, parce que j'ai... Quel type de foyer tu veux? Moi, je veux un foyer où je travaille et que mon mari travaille aussi. Il n'y a pas de souci. Genre, mais pas 50-50, hein. Il fait 100%. Genre, je ne sais pas, en fait. Tu vois, mais je travaille, mon mari travaille. Oui, exact. Donc, tu veux travailler, mais tu veux que ton mari nettoie la maison entièrement. Tu fais la cuisine, tout ça. Tu vois un peu. Oui, mon mari. C'est pas que tu travailles et tu oublies tes responsabilités à la maison, ma chérie. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, tu veux que ton mari s'occupe de toi. Justement, il n'y a pas de souci, il s'occupe de moi. Ça, c'est ça. C'est, en fait, ça, c'est ce qui est normal. Oui, c'est ce qui est normal. Mais comme c'est ça, il n'y a pas un homme, en fait, qui a le même level que moi. Mais tu dis? Tu as vu? Donc, ça revient à elle de dire qu'elle ne veut pas travailler. Parce que ton âge n'est pas assez pour travailler. Je veux travailler. Moi, j'ai ma passion. Donc, je dois, en fait, il y a mes rêves aussi. Je dois faire tout ça. Mais là, m'asseoir à la maison, c'est un truc en fait que je sais pas. Donc si ton mari te dit, en fait. Non, ok, il n'y a pas de problème. Donc si ton mari te dit, mm-hmm. il ne veut plus que tu travailles, il veut que tu viennes te mettre à son compte, tu fais comment? Mm-hmm. Non, je ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter, donc tu es prêt à briser ton mariage. Justement. Pour poursuivre ta passion. Et justement. Franchement, tu es marié. Non, je suis pas mariée. Change ta mentalité. Mon bébé, change ta mentalité. Je vais te dire, elle est prête à briser son mariage pour poursuivre sa passion. Ok, je te donne un exemple. Imagine, tu fais un docteur comme ça, en fait. Tu as beaucoup de vie, en fait. Tu as beaucoup de personnes à aider et tout. Donc, parce que tu dois te marier à cause d'une seule personne, tu vas laisser, en fait, combien de personnes que tu dois aider, en fait, dans la vie et tout, à cause de, je sais pas, à cause de ton foyer. Et tu vois, le problème des femmes, c'est quoi? C'est que tu es prête à aller te soumettre à un patron qui s'en fout de toi, mais tu ne peux pas te soumettre à ton mari qui prend soin de toi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je peux intervenir? Vas-y, le vieux. D'abord, merci. Moi, je pense que pour un foyer équilibré et que ça puisse durer dans le temps, chacun doit être épanoui. Quand on prend le foyer, moi, je vois trois personnes. Il y a l'homme avec son identité d'homme depuis son enfance jusqu'à grandir. Uh-huh. Il y a la femme avec son identité de femme jusqu'à grandir. Et il y a le foyer qui constitue troisième identité. Ce que tu dis, mon frère, lorsqu'une femme, tu dis à une femme, ne travaille pas, reste. Elle a des envies, elle a des visions. Et tu dis, elle va rester. Mais c'est la façon de... Quand elle va rester là, que tu ne vas pas aimer. Tu ne seras jamais heureuse. Elle va rester. Mais c'est la façon dont elle va rester. Si un foyer doit durer dans le temps, chacun doit être épanoui. Et je pense que ce que tu es en train de dire, parlant des hommes, vous avez abordé un sujet tout à l'heure, des hommes qui se suicident, parce que ces personnes, à un moment donné, trouvent leur... la façon dont ils pensent se réaliser, c'est à travers cette femme. La femme. Quelque chose arrive à cette femme. Ben écoute,
Si tu ne t'aimes pas assez, si tu ne t'aimes pas assez pour être équilibré avec ou sans femme ou sans enfant, tu peux avoir des moments pour être heureux tout seul. Exact. There is no way. Femme veut travailler, laisse-la travailler. Si c'est ça qui... Il n'y a pas. Une femme peut travailler. Une femme peut travailler sans que son salaire ne te serve. Si ça dépend, si c'est pour son épanouissement, elle peut le faire. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des cas où, tu vois, là, disons-nous la vérité. Les femmes n'ont pas la capacité de résister à la tentation comme un homme. Pourquoi? Attends, il vient à toi. C'est le contraire, mon gars. Non, mais des mecs, on fait des choses en face. Non, les débats intéressants. Mettez les cœurs. Mais la création nous parle. Les femmes n'ont pas la capacité de résister à certaines choses. La femme, faut pas la mettre dans un milieu où elle peut te tromper même. La différence, je vais peut-être aller un peu dans ton sens, mais la différence c'est que lorsque la femme veut partir, la femme va avec tout son être, la femme va avec son âme, son amour, son émotion. Mais quand on va parler de tentation, de toi à moi, on n'a même pas besoin de connaître ton prénom avant de faire ce qu'on veut faire, puis qu'on continue. Si je m'en la dis, moi. Mais la femme, elle va prendre du temps. Si c'est beau. Attends, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? On n'a pas besoin forcément de ton nom, hein. On n'a pas besoin de ton prénom, et peut-être après, là, tu vas nous rappeler tout ça. Ah. Mais la femme, c'est pas comme ça, ça marche. Justement. Tu vois? Mais la femme, elle est aussi tentée que l'homme. Elles ont beaucoup, mais elles se maîtrisent un peu plus que nous. C'est Dieu qui a créé. Les femmes font penser qu'elles se maîtrisent que nous. Il y a ça. La femme se laisse aller à qui elle désire. L'homme se laisse aller à qui va le satisfaire. Ça c'est pas vous. Il n'a pas dit non. Regarde, je suis de ta logique. Ça dépend de l'homme en vérité. Toi, tu parles d'un homme faible. Moi, je ne vais pas coucher avec la première femme qui vient à moi. Pas du tout. Tu comprends un peu? Je ne vais pas coucher avec la première femme. Pourquoi tu dis ça? Parce que je n'ai pas devant la tentation. Il y a des femmes qui viennent à moi. Non, il n'y a pas de souci. Oui, moi, je voulais répondre par rapport à un point parce qu'il y a tellement beaucoup. Peut-être que vous voulez prendre encore des gens. Ok, allons-y. Vous avez posé une question. Qu'est-ce qu'on appelle femme accomplie? Voilà. Pour moi, une femme accomplie, c'est une femme qui sait ce qu'elle cherche dans la vie. C'est une femme qui ne vient pas dans la vie d'un homme pour transformer la vie de ce dernier à ce que ça soit comme elle veut, mais accepter et accompagner l'homme dans son épanouissement, vice versa. C'est ce que moi j'appelle femme accomplie. Et tu as raison par rapport à ça. Un homme est prêt à se lever pour prendre une femme dans un taudis. Je suis occupé. Va dehors faire de la porte, ok? I'm busy right now. I'll get back to you. Désolé. Un homme est prêt à prendre une femme dans un taudis, la laver et la mettre au soleil. Mais lorsque la femme devient au soleil, elle pense que l'homme qui est à son niveau n'est plus. Et alors, moi, je pense que j'ai toujours rêvé de ce truc-là. J'aime vraiment tes vidéos. Il est temps que nous, les hommes, nous puissions avoir un canal pour nous aimer autant. Pour que la société, l'image, la veste que la société veut nous porter, qu'on puisse enlever, qu'on soit nous-mêmes. On soit nous-mêmes dans tous les sens. On se fait mal. La femme a la facilité de pleurer. La société ne nous a pas habitués à nous lamenter sur les toits. Voilà la raison. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, on parle de suicide. Parce que peu de choses, ils n'ont personne avec qui parler. Ils n'ont personne. Quand ils parlent, tu es un homme qui te parle comme ça. Et comme tout le monde dit maintenant, voilà les expressions. Tu es un homme princesse, tu es un homme ci, tu es un homme ça. Et finalement, le gars se pète une balle dans la tête et puis s'en va. Pourquoi? Parce que personne n'est là. La femme a eu le temps de se construire dans la société. Il faut qu'on parle aussi de nous. Il faut qu'on puisse avoir ce canal pour se dire on est des êtres humains. On a aussi donné. Et merci pour le fait que tu as dit. Comment on le fait quand les hommes que tu veux aider te combattent? C'est ça. Question. Arrête, tu ne peux pas aider tout le monde. Arrête ça, il ne faut pas que ça soit avec ta vision.
Tu peux pas aider le monde entier. C'est pas possible, mon gars. Je peux pas aider le monde entier. Selon moi, je trouve que les hommes même sont orgueilleux, même en fait. Les hommes, en fait, bon, ça dépend des hommes, mais la majeure partie du temps, quand ils comprennent pas, ils te combattent. Tu vois? Pourquoi? Les hommes sont vraiment féminisés réellement. Je sais pas si vous réalisez à quel point les hommes sont féminisés dans le cerveau. Non, c'est la réalité. Un homme doit aujourd'hui beaucoup plus comprendre des soins de lui, même qui prend soin d'un homme. Exactement. D'une femme. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc, la société. C'est un peu difficile. Pour ça que les personnes que tu peux toucher, c'est 1%. Regardez. Je suis d'accord. Regardez un peu les vidéos qui disent non. Voilà. Regardez un peu les vidéos qui vont dans le sens du bêta. Sur YouTube. Ces vidéos-là font les millions de vues. Mais mes vidéos n'arrivent pas. 50 000, 60 000, 100 000. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que les gens rejettent ça. On les a conditionnés à penser que je suis fou. Dans ma tête, c'est moi. Dans leur tête, c'est moi le fou. Attends, je vais te dire quelque chose. Okay. Est-ce que tu vois par exemple un pasteur qui va venir tout de suite en train de faire un live là? Entre hommes et femmes là, tu verras combien de fêtes. Si tu prends ça, il aura combien de femmes, il aura combien d'hommes? Quoi ça? Tu prends tout de suite un pasteur en train de faire une vidéo live. Tu verras combien de femmes, tu verras combien d'hommes. Il y a plein de femmes. Plus de femmes que d'hommes. Tu es en train de toucher la chance la plus difficile, qui est l'homme en réalité. On a été créé comme ça, on a été éduqué comme ça. On n'est pas éduqué à ce que notre camarade puisse venir nous donner conseil. Ce n'est pas possible. À part notre papa là. Non mais c'est ça. Non, rien. Tu en passes, c'est vrai. Tu n'as pas parce que tu es ouvert d'esprit. Je suis là parce que je vois que le monde autrement. Mais non, un homme, tu commences pas à lui faire des remarques tout de suite, mais il te crache, il te dit, mais tu es qui, en fait? C'est la confrontation masculine, c'est naturel, c'est l'instinct, en fait, qui est là. Mais là, tant qu'on va pas mettre ça là de côté et voir la réalité en face, c'est comme ça, ils vont aller se cacher pour se tuer. Et puis nous, on est là, on va nous lier. Parce qu'elle t'a trompé. Il y a les autres, vraiment, je sais pas. Anyway. Je sais pas. Et c'est la réalité aussi, parce que beaucoup d'hommes aussi ne veulent pas accepter la réalité du 21e siècle. On ne peut pas être au 21e siècle et espérer avoir une femme du 20e siècle. C'est plus possible à l'heure là. Okay. Évoluons avec le temps, évoluons avec les femmes que nous avons. Toi, tu es là. Ton papa t'a mis à l'école, Ashley. Tu as quel diplôme? Tu as étudié. Tu vas ranger ça dans un placard. Tu vas étudier. Donc, ton mari va. Merci. Quand ton papa, quand ton mari va dire un truc, tu auras ton mot à dire. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne veulent plus ça, en fait. Ils ne veulent plus les femmes qui. Mais en vérité, le vieux, ce que tu ne veux pas accepter, c'est vrai. Non, on cherche les femmes du 21e siècle, du 19e siècle. Pourquoi? Ce n'est pas une question de on cherche les femmes du 21e siècle. C'est une question de la nature de l'homme ne peut pas changer, quelle que soit la modernité. Tu comprends un peu? La nature de l'homme. L'instinct de l'homme ne peut pas changer, quelle que soit la modernité. Parce que le même instinct qui fait que mon grand-père, il y a 800 ans, voulait une femme soumise, ce même instinct-là, je l'ai en moi. À cause de ça, du moment que ma copine commence à me manquer de respect, la relation devient bizarre. C'est pas moi, c'est naturel. C'est naturel. Je suis entièrement d'accord. Mais juste, on est obligé aujourd'hui de revoir notre liste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que ton grand-père appelait respect dans le temps, ce n'est plus le même respect aujourd'hui. Ah. Ce que ton grand-père faisait pour sa femme, les femmes d'avant ne travaillaient pas. Ou peut-être travaillaient dans le champ de leurs grands-parents. Aujourd'hui, tu n'as pas la même raison. Dans mon business. Dans ton business, le papa, pourquoi? En tant que femme mariée, tu dois être soumise à ton nom, mais tu dois être... Attends, mais c'est quoi en fait? C'est pas parce qu'on est en train. Qu'est-ce que vous appelez soumission? Essayez de voir les faits. Qu'est-ce que vous appelez soumission? Soumission, c'est un peu une manipulation. Non, qu'est-ce que vous appelez soumission? Le problème, c'est que la soumission est un problème avec les femmes. Non, non, mon gars. Non, qu'est-ce que toi tu mets dans soumission? Qu'est-ce que tu mets dans soumission? Okay, tu mets dans soumission. Voilà, de là, on va partir. C'est quoi la soumission pour toi? Non, c'est à toi, il doit demander. Moi, je suis un homme. Oh. Ouais, c'est pas. Non, parce qu'en fait, il y a l'impression que depuis, je parle de soumission. Moi, je suis d'accord, en fait. Préparer pour mon mari, il n'y a pas de souci. Nettoyer la maison, il n'y a pas de souci. Mais il y a l'impression que soumission, hein, les hommes, vous cherchez une femme, vous le contrôlez, en fait. Une femme à qui tu vas dire, assieds-toi là-bas et puis on va s'asseoir là-bas. C'est que vous appelez soumission. Parce que. Dis-nous ce que tu mets dans soumission.
Assieds-toi là-bas. Bah, non, bon, moi, ce qui me fatigue, en fait, c'est ça, c'est elle. Pour moi. Toi, qu'est-ce que, toi, tu dis que tu es musulman. Oui. Qu'est-ce que l'islam dit des soumissions? En fait, l'islam dit, en fait, respecter ton mari, c'est lui le roi de la maison et tout. Je pense que c'est ça, en fait, pour moi, la soumission. Maintenant, c'est tout. Bon, quand on dit le roi de la maison, maintenant, ton mari te dit non, faut pas t'asseoir là. Tu dis non, il m'asseoir là. Ça, c'est quoi? Non, en fait, mais pourquoi il va me dire de ne pas m'asseoir là, en fait? Mais c'est ce que l'islam dit, non? Les raisons sont valables. Tu dis quoi? Mais pourquoi tu restes déjà à comprendre? Tu te soumets et pas à non, quelqu'un, attends. L'islam n'a pas quelqu'un, en fait. Quelqu'un. Aujourd'hui, on n'est pas on ne peut que se soumettre à quelqu'un qui est supérieur à nous. Justement. Parce que, comme moi, je suis mari, on est dans la maison. Supérieur à nous, dans quel sens, en fait? Les autres. Mais c'est ce que l'islam dit. Oui. L'islam dit que l'homme est le chef de la femme. La Bible dit aussi. Oui. Maintenant, quand moi, il te dit, assieds-toi ici, et puis toi, tu dis non. C'est pas bon. Moi, je suis responsable de toi dans la maison. Je suis responsable de toi. Tu es responsable de moi, mais je ne t'appartiens pas, en fait. Je mets tes preuves sur ton papa. Je mets tes preuves sur ton papa. Elle s'appelle comment, ma soeur? Elle s'appelle comment? Je m'en vais tes preuves sur ton papa. Voilà, Midé. Et puis, ça dit que tu es malade. Tout ce qui va t'arriver, c'est moi. C'est à cause de ça qu'il porte ton nom maintenant. Tu laisses le nom de ton papa pour venir porter mon nom. Oui, je laisse. Je peux réagir. Ok, le peux réagir. Merci, parce que c'est exactement, il faut aller point par point. Ce que tu as donné comme exemple là, franchement, ma soeur, je sais, on l'a mis, c'est ce que, comme ça, elle s'appelle. Oui. Je vais te dire une chose. Déjà, elle résiste déjà. Moi, je vais essayer de la clarité, de mettre là. De la vie, c'est un choix. Il y a des femmes qui choisissent de rester en tant que copier, copine, jusqu'à vie. Au premier message, c'est même pas réussi qu'aujourd'hui. Il y a des personnes qui décident d'être célibataires et très épanouies. Il y a des personnes qui décident de se marier. Le mariage, c'est un contrat, mais ça va avec, c'est un package. Et que tu ne peux pas prendre un ou trois d'eux. Lorsque, ils ont donné un exemple précis pour dire, ton homme te dit, assieds-toi là. Pas un truc qui est répété. Ce n'est pas un truc où tu sens que c'est de l'abus. C'est une situation qui t'arrive et puis te dit, respecte-le. Ok. Respecte-le. Moi, je suis d'accord. Pourquoi parce que... Non, attends, je vais finir. Attends, je vais clarifier un truc rapidement. Si mon homme me dit de m'asseoir là, comme nos limites l'a dit, de m'asseoir là, il y a foi, il peut m'asseoir, mais tu dois me donner des raisons en fait pour laquelle. Parce qu'il n'y a pas parce qu'il m'asseoir bêtement. Non, si il veut m'asseoir comme ça, moi je trouve ça comme le problème des femmes. Attends, lui expliquer. Le problème des femmes maintenant, c'est que il faut que tu comprennes que c'est pas tout on dit à une femme. Tu comprends un peu? Non, je suis pas d'accord. Une femme ne peut pas supporter. Non, il y a des secrets, la femme veut tout savoir, il y a des secrets qu'une femme ne peut pas supporter. Ton homme peut-être il a fait des choses et puis tu lui dis de te dire, quand il va te dire là, tu vas voir que c'est trop lourd, tu dois aller dire à ta copine, tu sais ça? Non, dans le foyer, il n'y a pas de copine. Non, il faut qu'elle te dise. Dans le foyer, on ne parle pas de, actuellement, on ne parle pas de relation. Tout ça, ça fait partie du foyer. Parce que je suis responsable de ta protection. Oui. Quand il te dit, assieds-toi là, souvent, il te dit ça, tu n'as pas vu la vision à long terme. Tu comprends un peu? Tu n'as pas vu la vision à long terme. En fait, je te dis, t'assois là parce que dans 2-3 minutes, je dois partir prendre quelque chose pour venir te donner pour arriver quelque part. Souvent, la femme doit se taire et puis écouter son homme. Justement, si tu la maries, c'est que tu lui fais confiance. Ça dépend de la femme qui est devant toi. Tu vois, il y a une question à te poser. Je peux. Ok. Donc, voilà, c'est dans le déni fort. Moi, je suis mariée. Je suis mariée. J'ai fait un voyage aux États-Unis. Je suis revenue. Et je suis revenue mardi, le samedi. J'ai reçu une invitation pour aller à Paris. J'ai demandé à monsieur, il dit, ok, tu veux partir. À deux jours du voyage, ma voix soir, il dit, ah chérie, franchement, j'ai changé d'avis. Je veux pas que tu partes, faut rester. Je n'ai même pas discuté, je suis restée. Ah, si c'était toi. Tu n'as pas demandé. Okay. Tout était déjà programmé. Hôtel était déjà voiture. Tout, on avait tout loué. Mais à deux jours du voyage, il dit, chérie, je veux plus que tu partes. Okay. Tu vois. Okay. Il dit parce que
Tu vois, toi, tu allais faire quoi? Il n'y a pas de raison. Non, c'est pas comme ça. Mais Ashley, tu vois, le problème, tu as vu ce que tu as fait là. Ce que tu as fait quand ton mari t'a dit faut pas partir là. Les femmes voient ça comme un frein à leur vie. Non. Oui, je n'ai pas de soucis. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. S'il m'a dit en fait de rester, je vais lui demander les raisons. Si les raisons sont valables, je reste en fait. Mais si ce n'est pas valable, pourquoi rester? Non. Bon, est-ce qu'elle ne donne pas des raisons? Ça partit quand même. Pourquoi même demander? Il avait dit ok, tu peux partir. Il ne donne pas des raisons. Ça partit. Il a réservé l'hôtel, il a réservé la voiture. Non, ce n'est pas la question. Non, mais ce n'est pas la question. Pourquoi il n'y a pas de raisons? Il faut lui demander plutôt. C'est la raison qui donne comment dire, tu n'es pas convaincu des raisons qui donnent, donc tu vas partir, c'est ce que tu veux dire. Justement, moi, je n'ai pas fait. Tu n'es pas fait pour le mari, ma petite. Faut pas que je sois marié. Faut pas que je sois marié. Je vais dire un truc rapidement pour quitter, peut-être vous allez prendre quelqu'un d'autre sur la ligne. Ok, le vieux va jeter. Ma chérie. Ouais, ma chérie, elle est faite pour le mariage. Elle me fait à manger. C'est le problème qui est là, en fait. C'est le problème qui est là. Les hommes cherchent un homme, une femme. Voilà. Peut-être que on a du mal à prononcer les mots, mais c'est la vérité. Un homme veut un homme, une femme qui est en bas de lui. Ou à un moment donné, mais ça, même, elle veut un homme qui est en haut d'elle. Attends. Non. C'est pas. Non, elle ne veut pas entendre ça. Parce que, on dit, les chefs de famille, quelque chose qui a mal à la tête, là, tes parents vont m'appeler moi. Mes enfants ont mal, c'est moi. Je t'amène à l'hôpital, la première personne, la responsabilité de l'homme. Si vous n'avez pas mal à son idée. Mais là, vous commencez par, tu me dis, A, tu dois me donner d'explication. B, tu dois donner d'explication. L'homme, il se dit, celle-là n'est pas pour moi. Il faut que je continue mon chemin. Et c'est comme ça. Le foyer est différent. Il y a amitié. Il y a des trucs que tu me demandes en amitié. Je vais te dire si ton copain te fait, si dit non. Mais ton foyer, là. Le jour où tu te réveilles, on ne te dit pas les choses comme il faut. Hein. Où tu vois ton gars, il est en train de ronfler sa bouche, ça à côté de toi, tu te lèves, là. C'est ça, le foyer. Le jour où tu passes deux semaines, tu as envie, il te dit, je suis fatigué, je ne peux pas te toucher. C'est ça, le foyer. Le jour où tu es fâché, il te regarde et tu sors, tu pleures, tu reviens. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le monde idéal que nous voyons sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. Celles qui ont compris ça, sont en train de faire 20 ans dans leur foyer et pour leur demander pardon, là, tu achètes voiture pour demander pardon. Celles qui ne sont pas tellement intellectuelles, qui viennent avec le foyer, sont toujours dehors en train de continuer les diplômes. Merci beaucoup, c'était moi. Oh, Midel, il faut revoir ce côté-là. Tu es une femme, tu peux me défendre de quoi un autre. Non, laissez-la, moi, elle a marié. Elle le change. Je ne marier son semblable à une gomme. Non, mais elle a marié, elle va se calmer. Elle, le temps, va se calmer. Je me marie. Laisse ça, chérie Coco. Mon mère, t'es mariée, il faut la laisser. Il n'y a pas. On va se battre dans la maison. Parce que il y a l'impression, comme je l'ai dit, il y a l'impression que les hommes là, vous cherchez une femme en fait, une femme, je sais pas, vous cherchez à manipuler les femmes en fait, parce que pourquoi me dit de ne pas voyager? Il ne me suis jamais marié. Il ne sait pas, en fait, il ne sait pas, franchement, il ne sait pas cet univers-là parle de quoi. Mais pourquoi dire à une personne de ne pas voyager à deux jours de son mariage, en fait? Pourtant, tu sais que la personne, il ne sait pas. Peut-être c'est un truc qui est vraiment une priorité pour elle. Et puis, tu lui dis de ne pas partir sans aucune raison parce que toi, tu as juste envie, en fait, de, il ne sait pas, de la regarder ou de la voir dans ta maison, en fait. C'est ce que je trouve que ce n'est pas normal. Ok, sur le champ, tu ne cherches pas à comprendre. Tu dis ok. Maintenant, après, dans le... C'est-à-dire d'un futur simple, tu lui donnes deux mois après, ah chérie, l'autre jour là, tu as dit pourquoi, tu lui demandes, il va te répondre calmement. C'est pas que tu dis, oh chérie, non, faut plus partir. Puis tu dis, non, moi je dois partir, pourquoi? Eh ma chérie, les hommes n'aiment pas ça. Ça c'est complètement une bonne femme, mais nous qui ne sommes pas une bonne femme là, on va poser des questions. C'est ça. Ah, non, mais là, on a conclu le débat. Hein. Bye, ça c'est bon carré. Non. Non, tu nous fais comprendre que tu n'es pas une bonne femme. Parce que c'est ce que les hommes appellent mauvaise femme.
actuellement, j'ai mon intervention, c'est ce que vous appelez une mauvaise femme, en fait. Maintenant, une femme qui va vous écouter, en fait, c'est ce que vous appelez bonne femme. Non, moi, je vais réagir. Pardon, on n'a jamais dit, moi, je n'ai jamais traité une femme comme, qui voit comme toi, comme une mauvaise femme. Jamais. Tu vois un peu, mais je vois, non, parce que tu vois, quand l'homme est là, là, on est très posé dans notre tête, hein. On sait qui peut être notre femme, on sait qui peut être notre maîtresse, on sait qui peut être quand même notre deuxième femme, ouais. On sait tout ça. C'est ça. La logique, là, n'est pas une bonne, n'est pas une mauvaise logique, tu n'es pas une mauvaise personne, pas du tout, alors, là, pas du tout, mais, généralement, voilà. Voilà. Peut-être que, bon, pour quand même les business d'affaires, si c'est pour prendre un billet pour partir, peut-être ça, je ne te vois pas, peut-être tu es une belle demoiselle. Ce n'est pas modèle. C'est ma femme qui l'a laissé là. Oh. Mais elle est déposée au point là. C'est ça qu'on a dit. Ce que le tonton dit, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une femme, en fait, qui demande ses droits, une femme, en fait, qui doit comprendre ce que l'homme dit là. Qui peut pas être une, elle peut pas être une femme au foyer. C'est ce que le tonton dit, en fait. Ou bien, une femme qui demande des explications, qui peut être une femme au foyer. Non. Moi, par exemple, je vais vous donner le cas de Ashley. Si c'est son mari qui lui a dit ça, elle a dit, OK, d'abord, je respecte son choix. C'est la façon dont elle voit ça, qu'elle a géré ça, ce qui est bien. Ça a marché. Mais tu peux être une femme, tu as dit, chérie, je ne suis pas content de cette décision. Tu sais tout ce que j'ai investi. Mm-hmm. Tu comprends? Et puis, d'un coup, comme ça, tu me dis non. Il peut te dire, ben, écoute, il y a tellement de raisons et tout et tout. Mais... On peut en parler. Il peut te donner des raisons. C'est pas la blague, c'est pas la. Tu n'es pas convaincu. Mais tu peux lui dire, tu sais quoi, tes raisons ne me. Je suis pas convaincu. Mais comme tu le dis, je laisse, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu as fini par dire, je ne suis pas convaincu, je vais partir. On n'a pas dit une femme qui est au foyer doit fermer la bouche. Donc tu dois parler. Elle doit comprendre que la confrontation, là, c'est pas joli sur une femme. Non. Ça m'abuse. Jamais une femme qui porte un pantalon, qui est toujours en train de se dans la défensive, qui montre que je suis intelligente. On n'essaie pas de discuter avec les hommes. Mais moi, en fait, j'ai besoin des explications. Quand il y a un souci, tu viens, tu t'assois, tu m'expliques, en fait. Tu n'as pas besoin d'explication. Ce monsieur a dit, je vais te dire une vérité. Voilà le principe d'homme. On n'aime pas donner d'explication à tout ce qu'on fait. Ça nous dérive. Quand son chéri lui donne l'argent, là, est-ce qu'elle se demande pourquoi le gars a donné l'argent? On n'aime pas, qu'on nous pose trop de questions, ça nous énerve. On t'a dit si, peut-être c'est pour ton bien, mais à le moment tu n'es pas en train de voir, mais après des jours, toi tu vas voir trop d'explications, c'est comme si tu veux nous montrer que c'est toi qui est ça. Ça passe un truc. Bon, moi, ça honnêtement, que c'est pas un garçon fort, en fait, parce que quand tu dis sur les bien compris. Elle est bouchée, calivotée. Non, je ne suis pas bouchée, en fait, mais j'essaie de donner mon point de vue et tout. Ok, les gars, vous pouvez me descendre et puis prendre quelqu'un d'autre. Vraiment, merci, c'était un bon moment. Je suis fatigué. Tiens. Vous avez gagné. Non, Olivier, c'est que tu dis, c'est vrai. Et n'épousez pas les femmes garçons, c'est tout. Non, n'épousez pas les femmes masculines, ça sera difficile. Il y a pas le vieux juif. On est ensemble, ouais. Bon, la fille. Ok, c'est bon, c'est pas terrible. Je vais pas changer votre avis, vous n'êtes pas chez mon avis. Vraiment. Mais, cher Coco, Olomide, si tu te maries, il y a des choses où tu dois devoir laisser, quoi. Ah ouais, tu vois. Quel mari, tu vis pour ma chérie. Quand vous faites pour voir, elle parle. Moi, que tu vois, j'étais aussi là. Mon mari est français. Moi, dès que je vais souffler tout de suite. Ils m'ont envoyé ici. J'ai laissé mon business, mes amis, ma famille, tout pour venir ici. Dans un nouveau pays. Et je vais te recommencer à nouveau. Je ne suis pas. Si tu l'aimes, je suis là, je suis bien. Tu vois.
Mais si c'était toi, tu as dit non. Non, non. Tu as vu aux États-Unis. Moi, je n'avais pas dit ça. Non. Si, en fait, c'est ça. Si, parlez-vous en vidéo. Il n'y a pas de souci et tout. Tu vois, si c'était une autre fille, elle allait dire non, chérie, c'est-à-dire, toi, il faut venir vivre ici. Non, tu ne peux pas enlever l'homme dans, son, dans sa zone de confort. Toi, tu dois l'accompagner. Et puis, ensemble, vous allez voir comment vous pouvez faire vos projets. Bon, suivez-vous, vous allez vous conseiller. Moi, je m'en vais. En tout cas, il y a un feuille. C'est à mon demain. Okay. Même pour un nouveau sujet. En tout cas, c'est la fin du direct. Les gars, évitez les femmes masculines. Évitez les femmes qui vous donnent les maux de tête. Bon, si c'était bon. Là, la femme qui ne va pas vous donner les maux de tête. Bisous, je vous aime. Buvez l'eau. Oh, oui. Bye bye.